Le spectacle Pinocchio, il était vraiment trop cool. Et aussi, j'ai beaucoup aimé la boîte de nuit et quand il y a eu les clashs. Bah moi, un Pinocchio, ça m'a vraiment touché. C'était on dirait que c'était une histoire vraie. Et c'était drôle. C'était, bah, la musique, elle allait bien avec les scènes. Et, c'était parfait. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup adoré le spectacle Pinocchio et j'aimerais bien le revoir. Et voilà. Bah alors moi c'est comme Elsa, donc j'ai bien aimé, j'aimerais bien le revoir, mais j'ai aussi aimé quand la fille allait à l'audition. C'était net quand les filles ont chanté, c'était rigolo. Moi j'ai plus aimé quand les auditions parce que c'était très rigolo. Moi j'ai adoré la boîte de nuit, surtout quand une personne a dit selfie et puis on a fait une photo. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi pour les auditions. Bah moi c'est aussi pour la boîte de nuit, j'ai bien aimé parce que bah, on était surtout sur scène. moi j'ai aimé l'audition et quand il y avait la pompette. Moi j'ai adoré quand bah, les musiciens bah, jouaient sur la scène et surtout quand vous allez vous déguiser, etc. Et c'était trop rigolo. Et j'ai adoré Pinocchio en entier. Moi j'ai bien aimé le petit Pinocchio, il était très mignon et il dansait très bien. Et puis la musique bah, elle allait bien avec le spectacle et à la fin c'était très très touchant. C'était bien. Moi j'ai bien aimé les acteurs qu'on m'a joué parce qu'on avait l'impression que c'était vrai et en plus c'est mieux que les films. C'est vraiment, c'était un magnifique spectacle et tout. Et j'ai bien aimé comment ils ont imaginé Pinocchio plus grand. Et j'ai bien aimé tous les personnages, spécialement Geppetto, ce qui était plutôt bien réussi. Et ouais. J'ai bien aimé les scènes, c'était bien joué, on dirait que c'était vrai. J'ai bien aussi aimé la musique et les chansons. La boîte de nuit s'est bien passée, j'avais un peu de trac, mais sinon le spectacle était bien. Et quoi. Moi j'ai bien aimé aussi les auditions et les acteurs. Moi j'ai bien aimé, surtout les acteurs ils jouaient très bien. Et, moi j'ai tout aimé, mais ce que j'ai le plus préféré c'est. Déjà. Ah oui, c'est les auditions et votre groupe aussi, le groupe de musique. Moi, j'ai trouvé que c'était bien et Geppetto il se faisait rejeter, on avait un peu. On était triste pour lui et aussi Geppetto, il jouait, comme il jouait trois personnes différentes aussi. La boum, c'était bien. La boîte de nuit, voilà, c'était bien fait aussi. J'ai tout aimé et tous les personnages, sauf que le personnage que j'ai le plus aimé, c'est la fée trompette. La fée pompette et j'ai bien aimé le moment où c'était triste. Moi j'ai tout aimé et je trouvais que les personnages ils étaient vraiment dans leur rôle. Et le petit, bah, ça m'a étonné qu'il rigolait pas parce que si j'étais à sa place, bah, j'aurais rigolé. Et la musique, elle allait bien avec les scènes. Et franchement, je dis qu'il n'y a aucun défaut. Moi, j'ai beaucoup aimé les différences de chansons et j'ai aussi aimé les costumes parce qu'ils étaient très réels et ils ont dû coûter cher aussi. Moi, j'ai tout aimé. Mon personnage préféré, c'était la fée Pompette. Et à la fin, je m'attendais pas que la fée Pompette elle soit avec Geppetto. Du coup, c'était bien. J'ai beaucoup aimé le spectacle, mais j'ai adoré les costumes car ils étaient très bien faits. Et mon préféré, c'était l'audition. J'ai bien aimé le spectacle et le moment le plus rigolo pour moi, c'était les auditions. Vous avez un message à faire passer à la compagnie Arsenic, tout le monde ? J'ai envie !